C'est donc les volcans qui ont formé les continents, la puissance des volcans et leur éruption spectaculaire. Pourrait-on dire que les anciens Égyptiens auraient qualifié donc le soleil comme étant le volcan du ciel? Donc on comprend que les disques que l'on retrouve souvent au-dessus des têtes des représentations iconographiques de l'ancienne Égypte ne représentent pas le soleil, mais en fait la poche magmatique, et que les rayons du disque ne sont en fait que des coulées de lave. Le cercle disque égyptien ne représente pas le soleil, mais la poche magmatique, et que les rayons du disque ne sont que des coulées de lave. Les Égyptiens n'ont jamais adoré le soleil. En effet, Ra ou Ré est un volcan. La pyramide est un volcan artificiel et l'obélisque représente une aiguille volcanique. On va parler des pyramides trouvées au Niger, des travaux de Maître Souley Garba. On va aborder le site des pyramides, notamment de Zinder et d'An Baki. La République du Niger compte de nombreux sites historiques intéressants. Peu ont été étudiés, à l'instar des deux colonies de civilisation Gobero, découvertes en 2008. La première occupation remonte environ à 10 000 ans et la seconde il y a environ 5 000 ans. Bon, ça, c'est des dates qu'ils donnent, mais ils peuvent même pas être sûrs. Ça peut remonter à 2 ou 3 fois plus que ça, ou même plus encore. On n'en sait rien. Il existe des sites tels que le mont Baba Birni, père des villes fortifiées. Ce mont contient une ville antique dont la porte a été fermée par un système ingénieux en pierre granitique. Il y a la montagne de Zaouzawa qui a la forme d'un lion imposant. Dans la région de Tanout, les miracles sont nombreux, mais nos scientifiques ne sont pas engagés à montrer la grande civilisation du précédeur de la civilisation égyptienne antique. Donc, Maître Souley Garba a déclaré que Tanout, à l'Égypte, il existe une série de pyramides non découvertes. Ta est aussi un sens de la possession du territoire en Hausa, comme dans l'ancien Ta-Séti égyptien, pays de Séti, et Ta-Mouri, pays de Mouri. Ta-Rana, terre de Rana, terre du soleil. Des adeptes du soleil, soi-disant. Si on comprend que Ra est le volcan, mais pas le soleil, c'est une autre histoire. Tarana, donc, était le nom de l'Amérique avant Columbus, ce qui fait encore revenir aux premières terres émergées, aux volcans, etc. Peut-être que Patey Diagne, dans son livre Tarana, ne sait pas que Tarana est un mot Hausa qui signifie la terre du soleil, à cause d'un soi-disant culte solaire, culte ramanique. Si c'est solaire, ou si c'est un rapport avec les volcans et à la formation de la terre, et y a-t-il un rapport avec le cycle du soleil et les volcans? Maintenant, ça, c'est un peu du vite fait, hein, de tout vouloir coller sur l'adoration du soleil. C'est un peu réducteur. Quand on voit le développement de certaines civilisations anciennes, je pense qu'ils en savaient même plus sur les cycles solaires que nous, même sûrement plus sur les volcans que nous. L'œuvre, l'Égypte ancienne, l'Afrique et le volcan. Ré ou Ra, chez les Égyptiens, évoquait le volcan et non le soleil. Voilà la conclusion à laquelle Houssein Houndiaye est parvenu après quelques années de recherche.
Cette découverte scientifique, étayée par des images, nous promènera en Afrique, en Europe, en Extrême-Asie et en Amérique centrale, dans les civilisations précolombiennes. Les Mound Builders, bâtisseurs de tumulus, sont un ensemble de peuples amérindiens disparus avant l'arrivée des Européens dans toute la moitié orientale des États-Unis actuels. Cette civilisation précolombienne se distingue par ses constructions de terre pyramides et effigies animales gigantesques en terre. Plusieurs milliers de ces édifices ont été recensés, dont les premiers tertres ont été aménagés vers 3400 avant l'an zéro. Les archéologues n'ont pas de certitude sur leur fonction, faute de sources écrites. La culture du Mississippian s'est développée et s'est répandue dans l'est des États-Unis, principalement dans les vallées fluviales, le plus grand centre régional où la culture du Mississippi s'est d'abord définitivement développée, est situé dans l'Illinois, près du Mississippi, et est actuellement appelée Cahokia. Elle comportait plusieurs variantes régionales, notamment la culture du Mississippian moyen de Cahokia, la variante du Mississippian du sud des Appalaches de Moundville et Etowah, la variante du Mississippi de Plaquemine dans le sud de la Louisiane et du Mississippi, et la culture du Mississippian de Cadoan dans le nord-ouest de la Louisiane, le Texas oriental et le sud-ouest Arkansas. Comme les constructeurs de monticules de l'Ohio, ces gens ont construit des monticules gigantesques comme lieu de sépulture et de cérémonie. Ce qui est important de préciser pour l'objet de la vidéo, c'est que les pyramides retrouvées au Niger sont plus anciennes que celles du Nil. Et il faut comprendre la configuration de la terre émergente à cette époque-là, dans un temps assez reculé. En fait, le bassin du Congo était quasiment une mer, un océan. Il y avait même des mers dans le Sahara, et par certains cycles, on voit que les volcans ont fait émerger des terres. On constate que l'Amérique donc a émergé bien avant, puisque les volcans d'Amérique sont vraiment sur des plaques qui sont surélevées. On peut voir que l'Afrique et l'Amérique du Sud étaient collées avec les Caraïbes, et que ce qu'on appelle la dérive des continents, ce qui laisse peut-être à croire que les continents dérivent, donc qu'ils flottent, puisqu'on a trouvé des lacs sous-marins qui ont des eaux tellement denses qu'on ne peut pas les pénétrer. En tout cas, lorsqu'on regarde l'Amazonie, on peut aussi dire que c'était une mer à l'époque, et donc le bassin de l'Orénoque, là où on voit aussi le fleuve Amazon et tous ses affluents. Donc cette zone amazonienne était en fait une grande mer aussi. On peut donc regarder toutes ces cartes et comprendre en fait que entre le Soudan et le Niger, il y avait un océan, voire une mer. Et que des gens ont navigué des pyramides de Zinder au Niger jusque dans la zone appelée le Nil aujourd'hui, mais les sources du Nil. On va en parler. Les volcans, on va en parler. Les lacs, les grands lacs d'Afrique, qu'on appelle aussi le lac Victoria, ce n'est que le résidu justement de cette mer qui a réduit et qui a donné le bassin du Congo avec toute cette végétation. Une antériorité des civilisations égyptiennes du côté du Niger plutôt que du Nil, vu qu'on a établi qu'une mer s'étendait entre le Niger
et le Nil et que le bassin du Congo était une immense étendue d'eau. Une pyramide au Niger. Au Niger. Au Niger. Ah oui? L'information circule depuis un moment, depuis le 29 février précisément, où un égyptologue nigérien, oui. Le professeur Souli Gaba, oui. Eh bien, a fait une publication comme quoi il a découvert une pyramide à Zinder, à 20 km de Zinder. Ça se verrait quand même. Oui, évidemment. Une pyramide, c'est pas de l'or, c'est pas du pétrole, c'est pas du diamant. Là, ça se voit même de très loin. Bah, oui. Et même, moi, j'étais un peu étonné. Je me dis, mais comment se fait-il qu'en plein 21e siècle, on découvre des pyramides? Quelque chose quand même au Niger, qui est très, très exposé. Mais il paraît qu'effectivement, que j'ai vu les photos, cette pyramide était un peu enfouie et elle ressemblait juste à une sorte de monticule de terre et de la forme des pyramides aztèques, c'est-à-dire un escalier. D'accord. Et donc, cet égyptologue travaillait depuis longtemps sur... À laquelle hauteur cette pyramide de mètres Je n'ai pas vu les spécifications, mais j'ai vu la photo. Oui. Et il travaillait depuis 7 ans sur des hiéroglyphes, c'est-à-dire l'ancienne écriture égyptienne, depuis 7 ans, avec un institut privé américain. Et il avait établi qu'entre le Haoussa, une langue qui est parlée en Afrique de l'Ouest et au Niger, et la langue copte parlée en Égypte en ce moment-là, eh bien, il y avait beaucoup de similitudes. Mmh. Ce qui l'amenait sur la piste de savoir que, effectivement, il y avait une civilisation ancienne qui ressemblait beaucoup à la civilisation égyptienne. Il est amené même jusqu'à dire que les anciens Égyptiens venaient de Zinder, de Niger. Et c'est sur toujours en travaillant ces tests que, bon, sur des indications d'un papyrus, eh bien, il a été dirigé vers cet endroit. Effectivement, on a vu une pyramide qui était là, effectivement, qui est très ancienne. Il s'est transformé en chercheur des pyramides, en quelque sorte, vers Zinder. Il a découvert ce trésor. En chercheur de pyramides, de toutes sortes de vestiges qui seraient d'origine égyptienne. Alors, vous voyez, Francis, l'intérêt d'une telle découverte, parce que, ramenez-vous un peu les travaux de Cheikh Anta Diop sur cette prévalence de la culture négro-africaine sur la civilisation occidentale. Quelqu'un me disait aussi qu'il y avait aussi des éléments de parenté entre le fond qu'on parle au Bénin, par exemple, et la langue copte égyptienne aussi. Donc, voilà, c'est pas... Non, même c'est le Yoruba, qu'on parle, on a même dit que le royaume de Yoruba, qui est au Nigeria, eh bien, serait fondé par des anciens Égyptiens qui auraient été chercher de la vallée. Mais on les voit partout, les Égyptiens, finalement. Oui, il y a eu même des travaux qui donneraient l'origine vers le bassin du Congo. Donc, enfin, il y a eu pas mal de travaux qui montrent quand même que la civilisation négro-africaine est à l'origine de la civilisation égyptienne. Mmh. Mais c'est quelque chose qui est gênant, excusez-moi de le dire, pour certains scientifiques blancs qui ont toujours démontré que ce n'était pas possible que l'Afrique noire ait été à l'origine de cette civilisation aussi brillante que la civilisation égyptienne. Vieille polémique. Une très très vieille polémique. Mais si effectivement cette information s'avérait que on a découvert ce qui se... Parce que actuellement sur tous les sites l'information passe, que va-t-il se passer? Les autorités nigériennes sont saisies. Il y aurait effectivement un colloque scientifique, en tout cas une équipe scientifique pour effectivement établir si effectivement il s'agissait d'une pyramide. Mmh. Et le chercheur nigérien précise que sous cette pyramide, parce que les pyramides, avant tout, c'était des tombes de pharaons, oui. Qu'il y aurait 40 000 objets en or qui se retrouveraient sous cette pyramide-là. Oui. Les relations Haoussa avec les anciens Égyptiens sont évidentes. Le terme Serek, qui a précédé les noms de pharaons, est une interprétation erronée de Saraki. Le serpent légendaire dans l'histoire Haoussa est le titre du roi Haoussa jusqu'à nos jours. On peut faire le parallèle avec les serpents qu'il y a sur les coiffes des rois égyptiens. Donc, Serek est parfois dit être le livre des rois. Au pluriel, pour roi, on dit Saraki en Haoussa. L'horreur du dragon qui fut l'emblème de leur roi, les prêtres des Noirs ne régnaient plus que par un culte bas. Ils avaient l'habitude de nourrir dans leur temple d'énormes serpents et des ptérodactyles, rares survivants d'animaux antédiluviens, qu'ils faisaient adorer
comme des dieux et qui terrifiaient la foule. La religion fut donc le règne de la force par la crainte, la terreur. La nature et Dieu n'apparurent guère à la conscience de ces peuples enfants que sous la forme du dragon, du terrible animal antédiluvien que les rois faisaient peindre sur leur bannière et que les prêtres sculptaient sur la porte de leur temple. Un autre tertre, appelé tertre du serpent, mesure 380 mètres. Le serpent symbolisait la renaissance par la mue. Résultant de calculs astronomiques savants, le soleil se couche sur la tête du serpent. Cahokia fut la première véritable ville d'Amérique du Nord et rassemblait au moins 20 000 habitants. Les rues formaient un quadrillage régulier. Un tertre pyramidal à gradins s'y trouvait, appelé tertre des moines. Leur organisation sociale consistait en une théocratie absolue. Au sommet, des prêtres redoutés comme des dieux, en bas, des tribus grouillantes, sans famille reconnue, les femmes esclaves. Ces prêtres avaient des connaissances profondes. Le principe de l'unité divine, de l'univers et le culte des astres qui, sous le nom de subéisme, s'infiltra chez les peuples blancs. Mais entre la science des prêtres noirs et le fétichisme grossier des masses, il n'y avait point d'intermédiaire. D'art idéaliste, de mythologie suggestive, du reste, une industrie déjà savante, surtout l'art de manier par la balistique des masses de pierres colossales et de fondre les métaux dans d'immenses fourneaux auxquels on faisait travailler les prisonniers de guerre. Chez cette race puissante par la résistance physique, l'énergie passionnelle et la capacité d'attachement au temps de leur souveraineté, les Noirs eurent des centres religieux en Haute-Égypte et en Inde. Leurs villes cyclopéennes crénelaient les montagnes de l'Afrique, au Caucase et de l'Asie centrale.